roi sorti de HEC. Promis de sa promo, son diplôme, tout beau tout frais. C'est plus cool que d'être un prolo. Il a créé sa propre entreprise. Il est content, c'est lui le patron. Il a raflé la mise. Il peut être fier de son pognon. Il donnerait sa vie pour enrichir sa fortune. Mettre un bout tous les pays pour de la thune. Faire plonger l'économie de paysans chi pour une belle Ferrari ou un petit jet privé, non. Pourquoi aiderais-je tous ces gens? C'est moi qui les paye, ou plutôt moi qu'encaisse l'argent. Bref, c'est pareil, faut pas en faire tout un plat. Moi j'ai la belle vie, alors ça me regarde pas. J'ai acheté ma Lamborghini là-haut, dans sa tour d'ivoire. Il n'y a aucun risque, ces arnaques, personne peut les voir. Il passe même sous le nez du fisc sa villa au bord de l'océan. Vive le paradis fiscal, bijoux en or, émeraude, diamant, ça y est, il a trouvé le Saint Graal. Il donnerait sa vie pour enrichir sa fortune. Mettre un bout tous les pays pour de la thune. Faire plonger l'économie de pays entiers pour une belle Ferrari ou un petit jet privé, non. Pour deux pauvres pièces dorées, il y laisserait son corps pour s'acheter sa BMW ou son Aventador. Sur l'échiquier économique, c'est moi le champion. Le secret, c'est d'être stratégique et de savoir diriger ses pions. Oui, la main d'œuvre pas chère, celle qui va crever en mer. Et tant pis s'il y a naufrage, bah je repars quand même en voyage. Il donnerait sa vie pour enrichir sa fortune. Mettre un bout tous les pays pour de la thune. Faire plonger l'économie de pays entiers pour une belle Ferrari ou un petit jet privé, non. Il donnerait sa vie pour enrichir sa fortune. Mettre un bout tous les pays pour de la thune. Faire plonger l'économie de pays entiers pour une belle Ferrari ou un petit jet privé, non.